Et bonjour, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur Pokémon Écarlate et Violet. Donc voilà, cette semaine, le dernier Pokémon des trios, Dragofeu, Terra Crystal, Dragon. Donc il y a eu Florizarre, il y a eu Tortank. Donc là, c'est autour de Dragofeu. Voilà, donc en lien en description, mes liens Twitch et Discord. Si vous voulez faire un tour, vous abonner, ce serait cool. Et donc, allez. Je vous retrouve pour le raid. Donc je vais essayer de faire la même stratégie. Danse pluie. Pour l'eau. Et après c'est ça, c'est protection. Ah oui, c'est vrai. Palkia. C'est Palkia? Non. Palkia? Non. Si, je sais plus. Ok, donc ça c'est un peu de la triche. Voilà, danse pluie. Allez, fontaine de vie. Je résiste. Voilà, fontaine de vie. On fait déjà un. Ça m'en fait deux. Allez, son bouclier. Ça m'en fait 3. Paf. Elle fait mal leurs attaques. Ah, il est dragon. Il est dragon. Allez, un petit coup de main. Après, je vais refaire danse pluie. Danse pluie, vas-y. Ah, c'est mis KO. Et il s'est mis KO. Les murs lumière. Ah, effet mur lumière. J'ai perdu une attaque pour rien. Et un. Allez, fontaine de vie. 2. Voilà, 2. Et là, voilà. 3. Quatre.
Son bouclier a cédé. Feu d'enfer. Zénith. Allez, danse pluie. Et normalement, voilà. Là, on l'a battu. Allez, Honor Ball. Go! Ah ben voilà! C'est vrai que lui, il était moins, on va dire, coriace que Florizarre et Tortank. Et voilà, c'est passé. Mes coéquipiers avaient quand même de bons Pokémon. Surtout l'Ultra Laser là qui a fait mal. Vous avez pu le voir. Paf! Voilà. Dragofeu, Ghetto Dazé, voilà les épices. Allez, Dragofeu, le calcium. Voilà, Patch Talent. Pépite, morceau d'étoile. Voilà, ça en fait des bonnes choses. Voilà, Dragofeu. Dragofeu, il est là. Il est dans la Pokéball. Ça fait plaisir. Voilà, l'euphorie, ça, c'est une valeur sûre. Vas-y. Donc, l'euphorie, même attaque que la dernière fois, sauf que là, le changement, c'est que je lui ai levé Zénith. Bon, la Terra Cristal, ça sert à rien. Et je lui ai mis Danse Pluie. Comme ça, il pleut. Et voilà, mur lumière, coup de main et fontaine de vie. Voilà. Ça, c'est du classique. Donc, les PV. Voilà. Au-dessus de la normale. Ça. Voilà. PV, défense spéciale. 405. Et donc, le petit Dragofeu, il est où? La boîte. Voilà, les trois. Sol, acier et dragon. Alors. Résumé, qu'est-ce qu'il a le petit? Voilà, Dragofeu. Voilà, force au soleil. Voilà, quand le soleil brille, l'attaque spéciale du Pokémon augmente, mais il perd des PV à chaque tour. Eh! C'est bien beau, mais il faudrait une capacité qui redonne des PV. Alors, il a ça. Modeste en plus! Modeste! Ah oui, 236. C'est vrai que la défense, 192, hein, c'est que dalle. Modeste. Ouais, c'est ça, c'est l'attaque spéciale. Et donc, en attaque, il a Dragochoc spécial, Défraglation spéciale, Vent violent spécial. Et Exploforce spécial. Il m'a fait que de l'Exploforce. Quand on y pense. Voilà, que des attaques spéciales. Donc, si vous voulez un tank, c'est l'Euphorie. Avec Mur Lumière, avec Danse Pluie. Voilà, impeccable. Impeccable, impeccable. Le petit Dragofeu niveau 100, il est là. Donc, voilà pour le raid. Dragofeu, 7 étoiles bleues. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche. Surtout n'hésitez pas à aller voir mon Discord et mon Twitch. Un petit follow sur ma chaîne Twitch, ça ferait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres raids 7 étoiles sur Pokémon. Allez, salut!